salut à tous les amis, c'est Glexium. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Police Simulator Petrol Officer pour l'épisode 3 donc de Police Simulator Aigle Petrol. Et aujourd'hui nous allons aller dans le secteur de Brixton. Donc voilà. Donc c'est parti, on va commencer notre journée. Et j'espère donc qu'il y aura du coup des courses-poursuites. Voilà, j'espère qu'il y aura des courses-poursuites. Dans cette vidéo. Donc quoi, donc alors Nelson Hills est connu pour abriter le plus grand centre médical de Brighton. Nelson Hills Medical Center a été fondé en 1891. S'est fait une réputation dans tout l'état grâce aux nombreuses innovations qu'il a apportées. L'établissement est spécialisé en chirurgie généralisée. Anesthésiologie. Oncologie, radiologie, cardiologie et neurologie. En raison des nombreux accidents et du travail exemplaire effectué par la police de Brighton, il y a toujours beaucoup d'activités aux urgences. Ça m'étonne pas. Donc c'est parti, on va faire une petite patrouille de 20 minutes. De nuit. Allez, c'est parti. Et nous allons espérer qu'il y aura une course poursuite. Comme ça, vous pourrez voir à quoi ça ressemble. Donc c'est parti. Donc cette fois-ci, je vais pas prendre celle que vous avez fait dans l'épisode 2. Je vais prendre celui-là. Hop, voilà. Donc c'est parti. Espérons qu'il y aura des courses-poursuites. Du coup voilà. Également je voulais vous dire également sur les véhicules de patrouille, maintenant on peut aussi changer les couleurs. On fera ça dans la prochaine vidéo je crois. Donc voilà. Le maire a pris le bille. Oui, comme vous pouvez voir, comme vous pouvez voir, j'ai vu enfin ça, la nuit, franchement ça rend mieux je trouve. Conduite. I pulled you over because you appear to have trouble driving. Nobody can drive perfectly straight. We need a unit on the scene that can verify the identity of the vehicle. Please show me your license and vehicle registration. Qu'on aura le temps, yes, officer. There you go. Driver's license and insurance card, please. Yeah, sure, officer. Vu que du coup, la tablette est bloquée, on va vérifier quand même. Permis de port d'armes, oui. Ouais. Date d'expiration le 15-03. Ok. En 2023 du coup. Ouais. Ok. Slowly step out of the car and move to the sidewalk, please. Please cooperate peacefully while I take a sample to check if you're drunk. Okay, donc, you'll take a test to see if you're driving under the influence of drugs. En plus, c'est super bien. You are under arrest. I will now cuff you. Please, don't do that. Alors là, du coup, pour conduite à l'état d'ébriété et conduite sous l'influence du cannabis. I have to arrest you. Please, officer. Please cooperate for a search procedure. Voilà.
Ok, on va vite faire le véhicule. Et on va bombarder pour retrouver le suspect. I have a vehicle here that needs towing. I need a wrecker at my current location, please. Sure, it will be with you shortly. I need some backup here to take a suspect into custody. Understood. We're sending the closest transport to your location. Qu'on peut passer à travers. Ah ouais, l'accident, moi j'ai pas le temps de m'en occuper. Hey partner, I just parked you. I'll be here with you. Ok, présent, nous on va chercher notre suspect. Donc, du coup, la personne qui appelle Nero Robin, pardon. Il y a des pièces qui sont de la plaque, le véhicule, le pédale à l'envers. Et c'est un SUV. Oh, il a des vies, donc il a un feu arrière de fond. Bon, j'ai pas le temps. Il est parti là, comme un tour de fils. En vrai, ce qui est chiant, c'est que du coup, la nuit, on ne peut pas foncer sur la bande d'arrêt d'urgence, qui se dit qu'il y a un véhicule qui se voit accidenté ou en panne. Du coup, la nuit, on ne voit pas trop. J'ai pas fait de faire tenir le retour aujourd'hui, si j'ai pas fait dans la vidéo précédente. Ok, bah c'est très bien ça. Lorsqu'il poursuit un conducteur en fuite, l'agent peut demander un barrage routier. Les barrages routiers sont établis sur la route et constituent un moyen efficace pour arrêter un véhicule. Vous pouvez uniquement en demander un sur autoroute. Un seul à la fois, pardon. Si le barrage routier n'a pas été arrêté, n'a pas arrêté le conducteur pendant la fuite, un autre peut en être demandé, mais sauf qu'il y a un temps. Donc, c'est peut-être le suspect qui t'a affecté un véhicule de civil. Donc il est dans la boucle en fait. Hands up! Donc il va pas s'arrêter, on va faire un truc plus simple. Please don't hurt me again. I will obey now. I'm going to cuff you now. After that, I want you to move to the sidewalk. You're a terrible cop. Hop, on arrête pour des tweets. Put your hands up slowly, please. I'm going to search you. Would you show me your ID, please?
Here's my ID. Take it. Mandat d'arrêt, ouais, ouais. Je peux lui mettre défaut d'assurance. I'm putting you in handcuffs now. Then please step onto the sidewalk. You're a terrible cop. People are complaining about objects on the road. Please proceed with me to the police precinct. I'm taking care of another issue at the moment. I'm afraid I can't make it in time. T'as le bordel. Elle est toute sa voiture. Je sais même pas si elle va me faire. Oula, elle va te teinter ça. We require support. Who's available? I have a car here that won't make towing. Please send a tow truck to my current location. The tow truck will be at your location as soon as possible. I'm going to cuff you now. Please then move to the sidewalk. You're a terrible cop. I'm going to cuff you now. After that, I want you to move to the sidewalk. You're a terrible cop. I need backup to take a suspect into custody. Understood. The closest available unit will be dispatched to your location. Available officer to respond.
l'intérieur. Fait que quand c'est rouge, ben ça c'est un peu chiant. Le GPS m'a envoyé par mon secteur. Ouais, c'est pas vrai.
voilà, il ne reste plus qu'à faire le tour. Your shift is over, officer. Oh la vache! Oh bordel! Or ça? Ok. Pas emplacé, merde. Qu'est-ce que j'ai dans le coffre? Regardez. There's a small fire at the exit. I'll take care. Ok, c'est la première fois que je gère un incendie. Ok. On va ranger ça. Ok, bon, on a eu un surcarambolage là. Là, c'est... Non. Bon, c'est bon. Alors. Déjà, j'ai commencé par les photos. Voilà, c'est un surcarambolage là, c'est... Would you please show me your ID and the vehicle insurance? Sure, here you go, officer. Bon, je pense pas qu'on aura le temps pour tout le monde parce que on a pas assez de points. Pas de temps, je veux dire. Notre patrouille déjà finie. All right. Let me just check to see if you're under the influence of alcohol.
I'll just need to take a sample to determine if you're under the influence of any illicit substances. Let me know what you saw. I don't understand what happened, officer. I'm going to give you just a verbal warning this time. Oh, you're the best, officer. I need to see your driver's license and registration, please. Yeah, sure, officer. You'll take a test to see if you're driving under the influence of drugs. Please cooperate peacefully while I take a sample to check if you're drunk. Let me hear what you saw. I'm still recovering from the crash. My mind is blank. I'm issuing you a ticket for your expired ID. That will be between $75 and $150. I don't have that much money. Okay, il me reste encore 5. Please, show me your ID and vehicle insurance. Here you go, officer. Assurance et plaques. I'm just collecting a sample to see if you used any drugs while driving. All right. I'm just collecting a sample to check if you've had any alcohol while driving. Can you tell me what you saw? I don't understand what happened, officer. All my belongings. Let me have a look at your ID and insurance card, please. They're burned. Sure. Here you go, officer. Okay, assurance. I'll let you go with just a verbal warning for this one. Oh, thank you. Let me know what you saw. I'm shocked, officer. I have no idea what happened. I'll take a sample to check if you've taken drugs before driving. I'm just taking a sample to see if you've been drinking and driving. Let me see your driver's license, and if available, this vehicle's insurance, please. Okay, officer. There you go. Assurance, identité, mandat, ok. You'll take a test to see if you're driving under the influence of drugs. Please cooperate peacefully while I take a sample to check if you're drunk. Tell me what you saw. Yes, I think I wasn't in full control of my car. Please, show me your ID and vehicle insurance. Here you go, officer. I have to issue you a ticket for your expired ID. That will be between $75 and $150. Really? That's so much money. I have to fine you for having an expired license plate. It will cost between $50 and $250. So much money for such a little infraction. Can you tell me what you saw? The way that person was driving looked downright dangerous. Thank you. Kindly cooperate as I collect a sample to see if you're drunk. I'll just need to take a sample to determine if you're under the influence of any illicit substances. I'd like to see your driver's license and car insurance, please. Yes, officer. There you go.
C'est le seul qui est rigolo. I'll take a sample to check if you've taken drugs before driving. Return to the police station immediately. Voilà, elle est en train de s'énerver. I'm just taking a sample to see if you've been drinking and driving. Tell me what you saw. That driver seems drunk, officer. You should look into it. Ok. Please take your accident report. Such a comprehensive report will be very useful. Thank you, officer. Je vais évacuer les véhicules maintenant. All clear. You're free to go. Stay safe and have a great day. Okay, here's your accident report. Oh wow, such an extensive report. We're finished here. You're free to go. Have a nice day and take care. Ok, donc je crois pas qu'il peut partir avec son véhicule. I have a vehicle here that needs towing. I need a wrecker at my current location. I have a vehicle here that needs towing. I need a wrecker at my current location, please. This is your accident report. This is an accurate report. Thank you. You're good to go. Drive safe and have a nice day. Véhicule. I have a car here that needs towing. Please send a tow truck to my current location. All right. Here's your accident. A well-documented and exhaustive report. Thank you, officer. We're done. Now, have a good day. Here's your accident report. That will be very helpful. Thank you, officer. All right. You can go now. Drive safe. Driver's license and insurance card, please. Yeah, sure, officer. Please take your accident report. Such a comprehensive report will be very useful. Thank you, officer. All clear. You're free to go. Stay safe and have a great day. I have a vehicle here for towing. Can you send a tow truck to my current location? I have a vehicle here that needs towing. I need a wrecker at my current location, please. In the next 24 hours. Sure, it'll be with you shortly. Okay. I have to arrest you. Oh, come on! You must be kidding me! You're under arrest. Oh, come on! You must be kidding me! Alors... Qu'est-ce qu'il a, notre cher monsieur? Identité et assurance. I have to fine you for carrying an expired ID. It will cost you between $75 and $100. Why does it cost so much? Backup requested to take a suspect into custody. I repeat, backup requested. Copy that. The nearest available unit will be sent to your current location. Écoutez, nous, on va s'en aller. On va juste ramasser les débris. Carambolage comme ça.
bien une grosse intervention comme ça. Elle est plus sympa, mais dans le poste de police, mais c'est le poste de station de paysage. Et bon, bon. Et ben, on peut le dire, c'était une sacrée patrouille. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche de notification pour recevoir une notification de mes nouvelles vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ah bah tiens, nous avons débloqué un nouveau quartier, le Nelson Hill. Impeccable. Avant de se quitter là-dessus, sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.